Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va coudre ensemble un masque en tissu. Un masque en tissu. سنقوم بخياطة قناع أو كمامة من الثوب. وسنحتاج في ذلك. On va avoir besoin d'un aiguille, d'une aiguille. Des épingles, deux morceaux d'élastique, 18 cm, et un patron carré de 20 cm sur 20 cm. Et un ciseau. سنحتاج إلى إبرة. مقص مطاط قياس 18 سنتيمتر وباترون ورقة على شكل مربع بقياس 20 سنتيمتر على 20 سنتيمتر. On va commencer ensemble. أول شيء سنحتاج إلى قطعة من ثوب، قطعة من ثوب، un morceau de tissu 20 cm sur 20 cm، 20 على 20. Ce morceau de tissu est plié en deux. Regardez. Et plié en deux, ça veut dire un morceau de plié en deux, ça veut dire 40 cm. On va plier un morceau en deux et on va prendre le patron 20 cm sur 20 cm pour éviter de coudre de cette partie aussi. Alors c'est mieux de prendre un tissu plié. Ça n'a pas de قطعة من ثوب طويلة 40 cm. ونطويها على اثنين كي نحصل على قطعتين 20 في 20 سنتيمتر. أوكي. أنا قمت بمسطرة. نحتاج إلى مسطرة كذلك. إن غيغل. On laisse 1 cm de la couture. 1 cm par là. 1 cm par là. Et 1 cm par là. نترك سنتيمتر واحد بالنسبة للخياطة. Moi j'ai tracé pour faciliter. On n'est pas toujours obligé de tracer si on sait déjà coudre. Allez, on commence. Bismillah. Avant de commencer, on va ouvrir le tissu. Et à l'intérieur, on va mettre l'élastique comme ça. On va épingler ici à le, on laisse juste 1 cm par rapport au pli. Notre co centimètre en wahidan fi tijah athoub. On va épingler. Et là, on laisse 3 à 4 cm. من هذه الجهة نترك 3 إلى 4 سنتيمترات. ونقوم بوضع المطاط هكذا. Et de l'autre côté aussi, la même chose. من الجهة الأخرى. La même chose. Et pourquoi pas? Et ce travail, on le fait avec nos enfants comme une activité. Comme ça, chaque enfant qui est capable de faire son masque, son propre masque. ولما لا يكون عمل جماعي مع أطفالنا
يقومون بخياطة ماسك شخصي. Je tiens par là. Et je commence à coudre là où il y a la trace. Je couds, je fais des petits pointes. Où il y a l'élastique, je veux coudre deux fois. المكان حيث تواجد المطاط سأخيط مرتين pour qu'il soit solide. Regardez, je retourne en arrière. Moi, j'ai choisi de faire ce travail à main pour éviter que les personnes n'aient pas une machine à la maison. Alors, ça sera un travail possible pour tout le monde. Sinon, moi, je l'ai fait avec la machine à coudre. Ça prend moins de temps et c'est plus solide. Pour les personnes qui ont la machine à la maison, ils peuvent le faire avec la machine à coudre. Le temps de faire un masque, ils vont faire deux ou trois masques. Je veux continuer comme ça. Jusque-là. Jusque-là. Je veux coudre jusque-là. Jusqu'à cette extrémité-là. OK? Et la même chose par là. La même chose par là. OK? Moi, je veux ramener un modèle qui est déjà prêt. أنا قمت بخياطة هذا الثوب من هذه الجهة هكذا إلى هنا وأترك فراغ 4 سنتيمترات. Je laisse un vide que je coupe pas de 4 cm à 3 cm. Après, je reprends la couture par là jusque là. Où il y a l'élastique, je veux le coudre bien 2 ou 3 fois pour qu'il soit solide. Alors, quand je termine cette phase de la couture, عندما أنتهي من هذه المرحلة, سأقوم أقلب الثوب هكذا. Je retourne le tissu comme ça et je sors les extrémités. أخرج الأطراف جيدا بأصابعي هكذا. أضع الأصبع أو شيئا آخر. أخرج les extrémités, je les sors bien. Je peux le faire avec mes doigts ou avec un. Il faut faire attention pour ne pas couper. Et voilà, mes élastiques sont bien solides. Je commence à voir mon masque. Et après, qu'est-ce que je veux faire? On va faire les plis. Et on va coudre cette partie ouverte qu'on a laissée ouverte. On va la coudre. سنقوم بخياطة هذا الفراغ وسنقوم بثني الثوب. نثني الثوب هكذا. On va utiliser des épingles. Côté aussi.
سنقوم باستخدام الدبابيس وفير دو بلي هكذا. من هنا هكذا، وسأقوم بخياطة من هنا إلى هنا. On va coudre de cet côté jusqu'au là. On va coudre une autre fois de cet côté jusqu'au là. On va le faire ensemble. On peut même refaire la couture deux fois parce que si on veut avoir une couture plus solide, بإمكاننا أن نعيد خياطة الثوب مرتين إذا أردنا أن تكون لدينا خياطة متينة أو جيدة. Quand je tiens, alors je peux enlever l'épingle. Voilà. Franchement, si on a une machine à coudre, ça va faciliter la tâche de la couture. Mais pour qu'il soit un travail possible pour tout le monde, alors on essaye de faciliter aussi. Et comme ça, on aura notre propre masque qu'on peut laver à chaque fois. On pourra aussi choisir des masques de couleur blanc si on voudrait les laver avec de la javel. Rajouter plus juste pour vous montrer et on ferme ici. Quand on ferme boucle comme ça, on met la en boucle et on met l'aiguille à l'intérieur pour fermer. هذه هي الطريقة التي نقوم بها في الأخير. À la fin. Et voilà notre masque. Cet côté, je vais la faire après pour éviter un long vidéo. Je vais le faire après. Et ça se porte comme ça. La partie où il n'y a pas la couture, si on met au côté de le haut de visage et ici où il y a la couture, c'est le bas du visage. Et pour